Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur la Web TV d'Optique 2000 en direct du circuit de Charade, non loin de Clermont-Ferrand, ville d'arrivée de la deuxième étape. Alors si je vous ai donné rendez-vous ici, c'est pour vous parler du rôle d'ouvreur et à mes côtés, j'ai un grand monsieur, Gérard Larousse, double vainqueur des 24 heures du Mans et multiple champion. Et rôle d'ouvreur, vous êtes le directeur des ouvreurs ici, hein ? Ah ben, je suis un peu le leader, bien que devant moi, je suis la voiture drapeau, son appel. En fait, on indique au public que le rallye va passer là et que le rallye a commencé, c'est-à-dire on ouvre la route. C'est le drapeau qui ouvre officiellement la route. Alors moi, derrière, j'ai un rôle plus sportif, c'est-à-dire que dans les spéciales où on passe, je fais un temps qui est le temps de référence pour ceux qui font la régularité, pour les concurrents qui font la régularité. Donc je fais un temps de base. Pour l'organisation. Eh bien merci, alors vous savez, on m'a donné l'autorisation, j'ai la chance de monter dans la voiture drapeau, donc juste avant les concurrents, pour vivre de l'intérieur ce rallye. Alors à tout de suite, et on embarque. Un très bon pilote. Merci beaucoup Jean-Michel, c'était exceptionnel. J'espère que vous avez apprécié aussi cet instant. Alors, on est allé à peu près à combien de kilomètres heure ? Aux environs de 220 km/h. En ligne droite et dans les virages ? Dans les virages, il y en a 40 à l'heure, il y en a 80, il y en a 100 à l'heure. Bon, en tout cas, je me suis sentie en confiance. C'était intense, on a pas mal glissé aussi. Hein. C'était fait exprès ? C'était fait pour le fun, surtout pour le fun. Bon, et en plus, c'était vraiment bien géré par un grand professionnel des rallyes. Donc un grand merci. Merci. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres grands moments sur la Web TV. À bientôt.